Donc on va commencer l'usine par ce côté-ci. Donc là, c'est le flux logique de production. On démarre sur l'arrivée de matières premières. On va consommer de la matière première qu'on peut retrouver dans les cantilevers qu'on trouve de ce côté, qui sont desservis par un pont roulant. Donc après, des process artisanaux. Et de la presse verticale, de la presse horizontale. Je vous demanderai de faire attention en passant le long des soudures. Évitez de regarder les lumières bleues dans les cabines. C'est des UV, sinon vous risquez d'avoir mal à la tête ce soir. Je vous disais qu'on a beaucoup travaillé sur les flux. Typiquement, je ne vous ai pas dit, mais ce qu'on fait sous cette plateforme, sous ces machines, c'est ce qui va constituer ce que vous avez derrière vous, la table de bistrot. Nous avons beaucoup de mobilier fermob à la maison, que nous apprécions la qualité de ce mobilier fermob, et c'était l'opportunité de venir visiter cette usine et nous sommes ravis de voir un peu la conception. Vous avez ici la ligne de production de la chaise de bistrot. Tous ces outillages spécifiques, leur montage pour faire les soudures, c'est dingue, c'est magnifique, c'est impressionnant. Voir des machines comme ça, leur technique de fabrication, ça vaut le coup de voir ça. Ça m'intéresse beaucoup parce que je trouve c'est intéressant de voir le produit du démarrage à la fin.